Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt à la seule personne, c'est-à-dire moi, qui est là ici sur ce stream. Mais bon, on va attendre que les gens arrivent. En étant sur le jeu, hein, bien sûr, parce que pour le moment, il n'y a pas le chat. Donc hop, je vous passe directement sur la salle de stream. Alors, avant de commencer ce soir notre petit stream, cette petite VOD, je tiens quand même à m'excuser auprès de tous ceux qui ont... Enfin, des personnes qui ont voté sur mon petit sondage Twitter d'aujourd'hui. Parce que le gagnant était... Enfin, non, je me suis trompé. Ça, c'est le nom d'un ennemi. Le gagnant, c'était Dead or School. Et qui était un jeu 2D, 3D d'action avec des zombies. Voilà. Qui avait l'air très sympa, que j'aurais voulu faire là tout de suite en live. Le problème étant... Le jeu reconnaissait pas ma manette. Deux, le clavier était en QWERTY. Et en plus, j'avais pas remarqué, mais en fait, le jeu est entièrement en anglais. Il n'y a pas de version française dessus. Donc, bah, excusez-moi. Excusez-moi, du coup, j'ai dû prendre le deuxième jeu le plus demandé dans le scrutin que je vous ai donné aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, Magikat. Notre fameux Magikat. Alors, on a déjà fait un live dessus il y a des mois de ça. Mais bon, pourquoi pas y retourner. On l'a pas fini et surtout, j'y ai pas retouché depuis. Hey, The Spirit, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui, ce soir? Donc voilà, je le redis. Encore une fois, je m'excuse pour ce sondage qui n'a pas abouti. C'est pas que j'écoute pas ma commu, c'est juste que, bon bah... On peut pas... J'aurais pas dit mieux moi-même, mon cher The Spirit. Voilà, je fais avec les difficultés que je rencontre. Et bon, bah tout simplement, ça va pas être possible pour Dead or School. D'ailleurs, pour le prochain sondage, je le retirerai des sondages. Et on fera... Il y aura d'autres choix à la place. Sinon, pas plus de blabla. Continuons sur notre petit... Notre petite game sur Magikat. Voilà, notre sauvegarde de fichiers de la dernière fois. PK, t'as quelqu'un qui a fait de la pub pour ton propre... Pour ton propre stream. Alors, merci aux personnes d'être là, on est trois. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, The Spirit? Il y a quelqu'un qui a fait la pub pour mon propre stream. Alors déjà, qui? Parce que j'ai vu ça nulle part. Et de deux, à quoi ça rime? Alors là, on est sur le... Voilà, on est sur le world, hein, un peu comme dans Super Mario World, tout simplement. On est sur le monde, tout simplement. Du jeu. Le hub, on pourrait dire. Ah non, c'est quoi Stream Element? Ah non, non, oui, voilà, non, non, en fait. C'est Stream Element qui vous dit que je suis en live. Et qui me dit que je suis bien en live et que, voilà, tout se passe bien. Ah non, t'inquiète, c'est... Par contre, c'est quoi ça déjà? Parce que je sais qu'on a... Je sais qu'on a des items. Mais c'est avec quelle touche déjà? Il n'y aurait pas un magasin quelque part sur la map? On va chercher un peu. Voilà, s'il y a un shop là. Alors... On a 11 gemmes. On peut acheter ça. Detect random hidden treasure on sur la map. Ok. Reduce MP needed for checkpoint. Ça peut être pas mal. On va rien acheter pour le moment. Et surtout, on a des pièces là. Ces pièces qui peuvent nous permettre de casser des trucs sur la map, genre ça. Ah non, non, c'est pas, ça use pas ça. Ouais, non, bah, en vrai, il y a les pièces, mais il y a les autres... Il y a l'autre monnaie, là, en forme de patte de chat. Je sais pas ce que ça signifie. Tu resterais peut-être le temps de découvrir le gameplay. Je vois. Ah, cette partie-là, on l'a pas débloquée. Cette partie-là non plus. Donc, ok, on est arrivé là. Ce niveau là-bas, on l'a fait. Eh bah, go le niveau
Le niveau, le monde 3, enfin bref, le niveau 3-1 tout simplement, donc let's to start. Alors pour ceux qui ont déjà vu mon stream en VOD sur Magikat, ça va pour ce que c'est. Alors, on peut sauter, on peut rester un petit peu en l'air comme un Yoshi, on peut envoyer normalement des petites pattes comme ça. Ah, le jeu a une bonne bande son, a des graphismes assez attachants. Et surtout un personnage vraiment mignon. Donc voilà, le jeu accroche l'œil déjà de base, même s'il est assez simpliste. J'aurais aimé récupérer la pièce sans me faire toucher. Alors je sais plus si j'ai d'autres contrôles. Ah voilà, j'ai un dash aussi. Faut pas oublier que j'ai un dash. C'est aussi un jeu d'énigmes quelque part, c'est pas qu'un jeu de plateforme. Donc faudra être un peu sur ses gardes. Ah là là, c'est dégueulasse. C'est un petit peu dégueulasse. Monsieur, c'est pas bien ça. De mettre des pics derrière un nuage. C'est les niveaux qui commencent à être fourbes. Parce que là, les niveaux, bon bah, c'est pas les premiers forcément, vu qu'on a déjà fait un stream. Merci. Bah, comment j'ai réussi à le toucher? Ah, voilà, d'accord. Sauter assez haut. Ok. Ok, ok. Il y a juste lui là-bas. Juste devant lui. Ah, deux doigts de crever. Ça, c'est génial. Ah, attendez, faut faire un truc avec ça. Déjà, toi, tu crèves. On a eu le bouton ici. Voilà. Petite énigme un peu à la con. Et du coup le bloc il traverse directement la map pour aller un peu plus d'accord. On peut écraser nos adversaires, c'est fun ça. D'accord. Il y avait effectivement des pics cachés à cet endroit là de la map. On va recommencer, de toute façon on n'avait pas suffisamment de PV. On va peut-être pas pouvoir ramasser ça, mais tant pis. Voilà. Mais me fait toucher tellement facilement. C'est juste pas acceptable en fait. Allez hop. Premier bouton. Peut-être avant de faire ça. Ah merde. Bon maintenant ça sert à rien en fait. Autant y aller maintenant. Il y a un lore. Il n'y a pas vraiment de lore en fait. T'es juste un chat avec un chapeau magique et des pouvoirs magiques qui lance des patounes. Et tu traverses des niveaux avec des boss différents, bon, pas si différents que ça, mais dans un sens, un peu quand même. Faut savoir que c'est un petit jeu, hein, déjà de base, mais pour un petit jeu, je trouve qu'il se débrouille assez bien. Voilà, on met ça là. On se débarrasse de lui. Ouais, petite animation lorsqu'il est sur le point de tomber. Comme sur tout jeu de plateforme. Sauf que ça le fait pas en arrière, tiens. On va récupérer ça. Bah oui. Bah oui, oui, on saute mal, malheureusement. Est-ce que je peux avoir la sauvegarde? Oui.
Ok. Donc c'est vers le haut tout en attaquant. Faut que je me rappelle, hein, bien sûr. Alors, le jeu peut sembler facile comme ça, mais bon. Derrière, vous imaginez que c'est pas forcément le cas. Par contre, je fais quoi si... Ah oui, d'accord, oui. Je passe sur le côté un peu comme dans Kid Icarus. D'accord. Alors, je suis là, un peu là. Voilà. Un peu comme dans Mario, là. On passe sur les grilles. Comme dans un Mario. Bah, c'est un peu l'un de ses arguments de vente, hein, le jeu. Il est mignon, en effet. Heureusement qu'on peut continuer à tirer malgré le fait d'être sur un grillage. Pourquoi je me ferais chier à les tuer? C'est pour avoir une gemme supplémentaire? Moi, pas besoin. On va être prudent. Hein. On peut se baisser aussi. Je sais pas si ça sert à grand chose. Non, ça baisse pas. Et la vue du dessus, elle a pas l'air de monter. Non. Ça met une animation, mais c'est tout quoi. C'est pas du vide là, on est d'accord. Ouais, voilà. Le jeu... non, non, tu m'auras pas comme ça. Voilà, directement, comme ceci. Voilà. Toi dégage. Ah, dégagez de là, s'il vous plaît. Ah. Mais alors je fais comment ici? Comment je vais faire? Mais est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que simplement... Il y a peut-être une autre solution. C'est fun ça. C'est fun mais c'est un peu dangereux. Voilà, peut-être que viser ça sera mieux. Pourquoi je peux... Ah, j'ai pas assez de... Oui, d'accord. Par contre, j'imagine que le gameplay du boss, ça va se baser sur... Est-ce qu'on peut... D'accord. Donc, on peut faire que monter, en fait. Le gameplay de ce boss-là, c'est on peut faire que monter. Bah, en vrai, là, il paraît un peu simple. Voilà, déjà... Ok. Alors, s'agirait de les tuer. Ah non, on peut pas les tuer. C'est vraiment, ils sont là pour nous faire chier. Ils sont là pour nous faire chier. Oula, ça va être compliqué un peu. Ça va être compliqué avec ça. Ça va être compliqué avec ça un peu. Parce qu'on peut vraiment pas les tuer en fait. Et il y en a de plus en plus. Ouais, et le boss, clairement là, il profite un petit peu.
Voilà, là les ennemis pour le moment ils vont pas de mon côté donc ça va. Allez, 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 meurs, meurs, voilà. Ça a pu le toucher tout simplement. Tout simplement éblouissant. Par contre, on a ramassé qu'une seule gemme. Donc, finir le jeu à 100%, ça risque d'être assez dur. En tout cas, level terminé. On va pas aller là tout de suite, on va ramasser un peu les pièces. Surtout qu'on n'a pas fini les niveaux dans les nuages. Donc on va continuer là où on peut. Donc prochain niveau, Balloon Flight. Petite référence bien sûr. Petite référence dans le nom. Ah mais du coup il y a des ballons. Ah là par contre il y a du vide, ok. Malheureusement là par contre il y a du vide. Je pensais que le ballon allait laisser. D'accord. Je pensais que le ballon allait éclater Mais pas vraiment on dirait. On peut monter dessus après. Ah, on peut monter dessus. Putain je suis idiot. Mais non mais je suis un idiot. Il fallait que j'utilise ces ballons. J'ai pas été assez malin. J'ai été un peu trop vite. Après, rien n'empêche d'aller vite, hein, mais ça risque de pas très bien se passer sinon. Aller vite, c'est bon pour ceux qui connaissent le jeu. Voilà, en fait, voilà. Tant qu'on est sur le ballon, il peut pas monter. Je suis comment là? C'est chaud un peu. C'est vachement chaud. Ok, les ballons ont une mécanique, mais ça a pas l'air simple hein, de les prendre. Allez, hop. On récupère ça quand même, on en aura besoin. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire en fait avec ces ballons. Ah voilà, faut faire des petits sauts en fait. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, monte. Monte, 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 monte. Ça je vais pas le récupérer, c'est mort. Ah oui, on peut. Oui, c'est vrai. On peut mettre des petites patounes vers le haut aussi. Quand t'es en l'air, pour atteindre le bouton. Ouais, planer. Mais bon, des fois, planer, ça suffit pas. D'accord. Donc là, on peut pas passer, en fait. Je savais pas. Eh ben oui, je peux dasher aussi, c'est vrai. Eh ben oui. Suis-je débile? Totalement. On peut vraiment pas y aller. Vraiment, on peut pas y aller. Bon, on prend pas le chemin du risque, hein, forcément. Notre but est de finir le jeu. Ça y est, ça commence avec les niveaux à scrolling.
Ça commence avec les niveaux à scrolling. Ce genre de passage. Bah oui, en plus j'ai pas sauvegardé. Ça c'est non. Ça c'est non. Au revoir. Allez, redescends maintenant. C'est risqué, mais ouais. Pourquoi je pouvais pas? J'en avais pas assez? Sûrement. On va pas non plus aller chercher les points. Doucement. Doucement, doucement. En fait... Au secours! Il n'y a pas de ballon. Forcément, il n'y a pas de ballon. Mais ce passage du chétan... Voilà. On est libre. Putain, mais merde! Au bout d'un moment, ça casse les couilles! J'aurais tellement pas dû sauvegarder là en fait. C'est tellement pas le meilleur endroit pour sauvegarder. Non, je peux pas. Ok. On peut esquiver tout ça, bien sûr. Alors, au bout d'un moment... Ouais, parfois, le vide, il est caché. Allez, allez, monte, 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 monte. Voilà, on va passer par là. Et le boss. Oh putain. Oula, oula, non. Je le sens un peu mal. Alors du coup, il va envoyer plusieurs tirs. Ouais, voilà, comme ça. Oh, il va être insane, ce boss. Ça me rappelle un certain boss de Metroid Fusion. Je sais pas pour vous. Putain, on dirait littéralement... En vrai, c'est gérable. Pour le moment, ça va. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas été touché. D'accord. Oh non, là, par contre, c'est chaud. Là, par contre, c'était un peu chaud. Allez, allez, premier coup que je me prends. C'est pas... Ça se fait pas, ça, de se prendre un coup comme ça. Mais il fallait vraiment lui donner 4 phases à ce boss.
Pourquoi je fais ça? Parce que je suis débile là. Et allez, putain, on se prend un coup gratos. Le boss, c'est la version family friendly de It's Live, de Binding of Isaac Afterbirth Plus, non? Genre, plus tu lui tires dessus, et plus il tire de projectiles. Ça me fait plus penser à un boss de Metroid. Après, c'est mon point de vue. Après, c'est un point de vue. Ça va être compliqué, Axe. Il va être compliqué celui-là. Déjà, éviter de perdre. Que j'évite de perdre des points de vie de manière stupide, ce serait bien. Ok. En fait, si je conserve tous mes PV, ça devrait le faire. Pff. Ok, là ça va commencer à... Ouais, bah génial. Génial, mais vraiment en fait. N'hésite pas à rester bien invincible. Ah, je ressuscite, je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, boss de mort. Mais non, toutes les pièces, elles tombent dans le vide. Ça nous en fait pas énormément des pièces, hein. On en a gagné 13. C'est pas trop mal. Enfin, 13 pas tout. Pour les pouvoirs. On récupère un petit peu les pièces qu'il y a à droite à gauche. Et on va s'occuper des niveaux suivants. Ah ouais, mais les niveaux, par contre, il y en a... Il y en a masse, hein. Dommage qu'on ait que deux ce soir sur le stream. C'est quand même un jeu bien sympathique. Oh putain, ces ennemis là sont résistants. Ça va pas me plaire ça. Ces ennemis là sont beaucoup trop résistants. Je crois que c'est 4 coups pour les tuer. Non, même pas, 5. Histoire que ça soit encore plus relou. À mi-hauteur d'un saut en plus. Histoire de bien faire chier. En tout cas, c'est joli. Ah oui, d'accord. Va falloir que je trouve un moyen. Tout simplement. Eh, il se fait pas toucher. On va prendre ça quand même. Ah, forcément, ça glisse. Ah, lisse, ça glisse. Des plateformes petites. Un bloc, même pas. Mais je fais comment là en fait? Ça. Ah oui, mais ça se bouge ça en fait, voilà. Ah, parce que ça continue de glisser donc faut pas se faire avoir. Ouais, si tu veux. Ah, je peux pas, d'accord. Et merde. Voilà, dégage. Là pareil, je vais devoir, j'imagine
utiliser la même technique? Ah non. Ah non, ça va. Mais je fais comment là en fait? Je dois détruire les machins. Mais comment je détruis ces blocs en fait? Il doit y avoir une manière de détruire ces blocs. On se prend d'autres dégâts. On saute pas assez haut malheureusement. Mais genre, mais... Putain, ceux-là, ils ont encore plus de PV, c'est hallucinant. C'est drôle ça. C'est très drôle ça. Ouais, c'est pas de la neige, c'est plus de la... De la glace. Putain, enfin on peut sauvegarder. Ça va être assez chiant. Pourquoi il glisse pas? Bah génial! Génial, ça glisse pas. Je suis censé faire quoi là? Censé faire quoi? Sérieusement? D'accord, je dois le pousser un coup fort en fait. Je suis censé le deviner comme as. Allez, allez, plus vite. Voilà. En tout cas, les musiques, hein, l'ambiance du jeu et tout ça, c'est mignon, c'est calme, c'est joyeux. C'est un jeu assez calme, hein, comme vous pouvez le voir, même si la difficulté a l'air d'être présente. On sait que c'est du vide, hein, du coup. Je refuse de... Voilà, je préfère continuer. Puis voilà, revivre, ça coûte que deux patounes. Sérieusement? Heureusement que ça fait une petite explosion. Du coup, voilà. Notre attaque a de la portée. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Sauf que, bien évidemment... Ça glisse. Non, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ouais, là, ça marche. Putain, je les ai pas vus ces putains de pics. Je peux pas? Putain, je peux pas. Non, je peux pas du tout. Dommage. Mais sérieusement, ça sert à quoi ça en fait? Comment on les détruit? Mais laissez-moi sauvegarder! Il y a un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça sert à quoi?
Attends, il y a une technique, visiblement, qui existe. J'avais jamais fait. Ah, ça utilise mes popos, mais ça sert à quoi? En espérant pas crever. D'accord, je vois le délire. Je vois le délire. Slime de merde. Je vois totalement le délire du boss. Pourquoi je suis protégé? Enfin, j'ai été protégé du coup, mais je comprends pas pourquoi. Je me suis donné des points de vie? En ça, c'est vraiment pas nice. Bah, je fais comme ça au pire. Bah oui. Juste à faire comme ça. Putain, j'ai mal timé. Ouais, bon bah, au moins on aura gagné. Et hop, on prend tout. Mauvais score, malheureusement. Les niveaux commencent à devenir un peu... un peu soufflonnés. Hein. Putain, on peut pas passer là. C'est quoi déjà pour passer les ponts? Je crois qu'il faut payer une monnaie, un truc comme ça pour les réparer. Je sais plus. Ça, en tout cas, je peux les casser. Voilà. Et il y a un shop juste là, alors... J'ai envie de vous dire... On va essayer de débloquer le shop. Ah déjà l'ambiance est un peu moins glaciale, va-t-on dire. Un peu moins glaciale mais un peu plus chiante par contre. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était de simples pics. T'as et ses ennemis qui vont avoir 50 000 HP. Quoi? Ah parce que maintenant, les ennemis en mourant, ça nous touche. D'accord. Ah oui, non, d'accord, je vois. Ah, c'est ça qui fait que ça détruit les blocs, là? J'étais censé... bah, il n'y en avait même pas. Il n'y en avait même pas de blocs. Je pouvais même pas les casser, ces trucs-là. Ah, je vois maintenant à quoi ça sert, hein, mais au calme, quoi. C'est quoi? Hop, on va juste... Ah, putain, il y en avait d'autres. C'est malin, ça. Il y en avait d'autres. Peut-être pas abuser sur le dash non plus. Voilà, j'ai pas assez dash. Ouais, juste à faire ça en fait. Faut être rapide. Hein. Faut être assez rapide. D'accord, lui, je sais pas pourquoi il se casse en croix. En X plutôt. Parce qu'une croix, bah, c'est une croix directionnelle, hein, tout simplement. Allez, meurs! Tu perds tout ça. On va passer par là. On récupère ça comme ça. Voilà, on récupère ça également. Le reste, on s'en fout. Voilà. Voilà.
Ah putain de merde. En fait, j'ai pas le droit de m'arrêter en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Ouais, au secours, quel enfer. Quel enfer. Tout ça pour finir mourir. Pour finir par mourir. Tu sais flotter dans les airs, petit chaton, alors flotte dans les airs. Bah oui, forcément. Je passe pas la première fois, je passerai la deuxième. En me faisant toucher deux fois. Sinon... J'ai dit c'est non. T'as cru le jeu. Ouais, alors les mecs animiques ce coup-ci, attention. D'accord, alors déjà il fait chier avec ça. Ouais. D'accord, alors maintenant il se met à... Il se met à avancer de droite, machin. À gauche. Ça va commencer à devenir pénible. Oula. À suivre de près, bien sûr. Oula. Là, ça y est. Là, il commence à... Ses mouvements commencent à faire un peu n'importe quoi. Pas grave. Voilà, on récupère tout. On n'est pas mort sur ce boss là. On n'est pas mort. Et le shop est à nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Deploy a path on the map. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Dash no able to break hard wall. Pas mal ça. C'est une compétence en plus, hein. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut passer... Ouais, ça use quand même beaucoup de trucs. Go ce niveau-ci, du coup. Pourquoi t'as pas dash? J'allais dire pourquoi la touche elle répond pas. Pourquoi les touches ne répondaient pas? Mais dash! Ah mais le dash ça consomme du pouvoir? Semblait pas. Et je fais quoi, moi? Hein? Ah, d'accord. Il y a des interrupteurs qui parfois nous donnent des grappins, des compétences. Je vois. Je vois, je vois. Il est sympa le grappin. Il est sympa le grappin. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais je... Putain. C'est pas ce que je voulais faire.
C'est dégueulasse, monsieur. Au moins, on aura récupéré une gemme. D'accord. Ouais, on va pas ressusciter pour ça. Allez hop, allez hop. Allez, bouffe. Bouffe. On est d'accord que je dois l'utiliser là. Au pire, on s'en fiche un peu de ces ennemis là. On n'a pas de quoi sauvegarder, c'est génial. C'est fou ça, non? D'accord. Ah, c'était un peu gratuit là. KLM. Plus de sous. Pas assez de magie. Alors là, par contre, faudrait. Ah, d'accord, oui. Ça marche mieux comme ça, en effet. On va me faire croire que. Voilà. C'est possible de passer en bas, hein, mais on va pas le faire. Arrêtez de me tirer dessus. Quel ennui. Ah ouais, non, mais vraiment. À ce point-là. C'est dangereux. Un peu mieux peut-être. Voilà. Ah, une troisième personne nous a rejoint sur le stream. Merci à toi d'être là. Nous sommes sur Magicat. Magicat qui est un petit jeu qui a l'air au... qui a l'air simpliste de prima, putain. Simpliste, mais pas moins compliqué. Alors, attendez. Petite coupure de micro pour mon nez. Veuillez pardonner cette coupure. Alors, ce coup-ci, voilà, balance-toi mieux. Ça, c'est toujours plus utile en termes de dégâts. Voilà, petit grappin, on esquive les tirs. On esquive les tirs, j'ai dit. On ramasse les sous-sous. Alors, ce serait bien de passer cette zone, en fait. Parce que j'ai pas assez... de magie pour faire une sauvegarde. Heureusement que ça m'a pas touché. On va ignorer les ennemis, hein. Putain,
Putain, j'ai envie de mourir. C'est sérieux là? Re de spirit. Visiblement, ouais, c'est sérieux. Mais putain, mais j'y crois pas. C'est quoi, on va aller là-bas un petit peu là. Récupérer ça 2 secondes, ouais. Are you kidding me? C'est ça. S'agirait de... Voilà, de pas se foutre de moi le jeu. Forcément, il fallait qu'il m'ait. Le niveau des enfers, ça paraît pas dur, hein, mais au final, ça l'est quand même un peu. Ah mais ça me fait monter automatiquement dessus, en fait. C'est cool. On va le tuer, lui. Il est gênant. Voilà, au bout d'un moment. T'es gentil le jeu. Mais on sauvegarde. Ah bah voilà. Chip, 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 chip. Ou plutôt chip, chip, sir, sir, chip. Miaou, 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 miaou. Chip, 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 chip. Miaou, 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 miaou. Les dialogues dans ce jeu, c'est ça, donc vous attendez pas du lore. Oh oui, t'es bien placé là, mon coco. T'es tellement bien placé. Par contre, il y a du vide, hein. Ça va pas le faire. Du coup, où est-ce qu'il arrive? Il arrive depuis là. Bon, là, c'est une phase où il est invincible, on peut pas le toucher. C'est quand tu veux pour arrêter de nous faire patienter. Mais attendez quoi? Ah oui, attendez, non. Bah oui, mais forcément. En fait, faut lui sauter dessus. J'oubliais. MDR, tes voisins qui doivent s'imaginer des trucs à ton propos avec des cris d'animaux que tu fais. Rien à battre. Rien à steak. Oula. Attention, là maintenant les plumes sont en... sont un peu plus dangereux. Ouais, attention. Le combat risque d'être un peu serré. Oh, c'est dégueulasse ça. On avait tellement l'occasion de... Putain. On revient à la vie. Ça coûte que 2 pièces. Ça coûte que 2 pattes. Non. Là, par contre, ça va pas trop rigoler. Pas louper le coche. Comment ça? Oh non, mais non, mais non, mais me fais pas chier le jeu. Mais sérieusement. Mais je suis quoi? Comment je fais? Alors. Il s'agirait d'éviter la tricherie, hein. Je crois savoir, attendez.
Ouais, là par ici en fait. Forcément on loupe. Forcément on loupe. M'en fous, je continue. Je m'en fous, je continue. T'es mort. Ah, ça m'a coûté un petit peu, hein. Mais hors de question que je recommence ce boss. C'est mort. C'est mort. Ah, GG, oui et non, je suis quand même mort deux fois, quoi. Voire trois. Ah, on a débloqué le passage ici. D'accord, donc on a juste à finir les zones, finalement. Press to start. Oh, c'est joli. Là, par contre, c'est de la neige. Oula, où les méchants? Où les méchants? Oh, le pas beau. Ah ouais, non, les ennemis, ils commencent à être... S'ils commencent à être agressifs comme ça. Par contre, on peut pas marcher tellement la neige, elle est... On est bloqué dans la neige, on est obligé d'avancer par avec des petits sauts. Il va nous faire chier, lui, un peu. Ils vont nous faire chier un peu, ces ennemis-là. D'accord, donc ça va dans le sens inverse. Eh, viens par là. Viens par là, je suis là. Je t'ai niqué. Non, au secours. Sérieusement, quoi. Ça se fait pas, ça. Est-ce qu'on sauvegarde ici? Je crois pas. En deux coups, je les bute? En même temps, ils sont plutôt chiants, donc vous me direz. Eh, mes sous! Ça passe à travers le rocher. Putain de merde. Ah, ils vont bien me les briser, ces ennemis-là, je le sens. Arrête. Arrête de me casser les couilles. Voilà, par contre, on va sauvegarder. Ah là, le petit recul dans le vide. Qui fait toujours plaisir. Ah bah, ce coup-ci. Putain. Ah, rigolera qui rigolera le dernier, bien sûr. Miaulera qui miaulera le dernier. Ils ont tellement un pattern de chasse, ces ennemis-là. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est ça, ouais. Faites les... Oh, je m'en bats les couilles. Je m'en bats la race. Mais pourquoi t'as pas voulu aller de l'autre côté? Je pensais que c'était par là qu'il fallait aller, moi. Heureusement qu'on les bute en deux sauts, quand même. Je crois que c'est la meilleure façon de les buter. Hop, je t'ai niqué. Mais alors du coup, je suis obligé de faire ça. Osef. Osef, clairement. Ah mais c'est parce que je suis dans la neige, je peux pas avancer. Mais oui, c'est bête. Je suis bête.
Et qu'est-ce que je suis bête? Oh, dans la neige, quoi, au secours. Oh putain, et en plus, lui, c'est le même. C'est l'ennemi super chiant, mais en boss. Au secours. Et je peux pas l'avoir avec de simples. Oh putain. Au secours, ce boss. Au secours, ce boss. Bon, eux, ils ont pas l'air d'être très, très ennuyeux, par contre. Ah, mais il me suit pas, en fait, ce boss. Il fait juste que des allers-retours. Eh oui, forcément. Forcément, mais moi je m'en fous, c'est pas cher. Hop, voilà. Prends-toi la max. Et on est 4 sur le stream, merci à vous. Au final, le stream, les personnes finissent par arriver. Mais bon, voilà. Que vous finissiez par arriver ou que vous n'arrivez pas, je ne vais pas non plus m'en plaindre. Vous êtes là sur ce magnifique jeu qui est Magicat. Ah, pour ceux qui savent pas ce que c'est Magicat, bon bah déjà ils voient le jeu. Mais en plus, bon, c'est sur Steam. Pour un modeste prix normalement, si je me souviens bien. En plus, là je crois qu'il est en solde. De 5-6 euros, je crois. Pour être honnête, je me souviens plus du prix. Mais bon, soit. Go start le prochain level. Ah, tu quittes The Spirit? Pas grave, tu seras au moins resté un petit. D'accord. T'étais resté un petit moment. Ah oui, c'est vrai que oui, se protège. T'étais resté un petit moment sur le stream. C'est déjà pas mal d'être venu. Ah oui, mais en plus, ces ennemis-là, ils se protègent. En plus. Putain, je suis obligé d'aller dans le canon. Ok. Ok. J'ai pas assez, putain, fais chier. Oula. Comme dans Kirby, ça. Pourquoi pas? Ça va que dans un seul sens à un moment donné. Ça mène quelque part à un moment donné. Ça mène par là, en effet. J'en ai pas besoin. Je voulais sauter sur la plateforme. Ah, tout le monde est parti en même temps, malheureusement. Je voulais sauter sur la plateforme, malheureusement. J'ai hésité sur mon saut. Ah, on les bute en un coup, ceux-là. Incroyable. Fallait qu'on soit touché, bien sûr. C'est dangereux, ce genre de passage. Ouais. Ouais. Et pourquoi? J'ai du mal à comprendre. Ah bah non, pas en passant par là en fait.
Et ça finit dans le vide, comme un idiot. Ah bah voilà, tout simplement. Je me récupère ça. Voilà. Alors, ça va être quoi? Génial. Génial. Ça marche pas en dessous, ok. Aïe. Aïe aïe. Fini l'invincibilité ou pas? Après il est vert, donc quelque chose me dit que j'ai besoin des canons. Pour continuer. C'est ça. On va recommencer parce que j'ai mal tout simplement mal fait. Bien que tu touches. Ok. Eh merde, fallait que je me fasse toucher. Pour le moment, ça va. Pas très très dur. Le problème c'est que je me fais toucher bêtement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Me demandez pas. Ça a bien passé là. Mais sérieusement, mais tant pis, tant pis, on recommence. Ça va être plutôt chiant. Ouais, bah fais-toi toucher dès le début, c'est bien. Parfois, j'ai pas la hitbox des adversaires. Putain de merde. Sérieusement? Oh, ça suffit quoi. Au bout d'un moment, ça s'agirait de le battre. Ce que je fais à chaque fois, bien sûr. Ok. Ça c'est fait. Comment j'ai réussi à l'avoir de là? Sa hitbox est un peu mystérieuse, hein, par moment. Ah, il va de plus en plus vite. C'est ça son secret pour être puissant. Ok, donc là il en met 3. Eh ben,
Sérieusement? Bah les gars du coup. Aïe 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 aïe. Ça touche pas très très bien. Et surtout il est rapide. C'est passé de peu. En fait il tire à un certain nombre de points de vie enlevés en fait. J'ai plus l'impression que c'est ça. Sérieusement quoi. Bon, on se fait toucher, ça va, c'est pas trop grave. Par contre ça va être vraiment dur de le toucher là à partir de maintenant. Ah, on avait une belle occasion là. On peut faire comme ça aussi ouais. C'est pas faux. Et hop. À pouvoir continuer. Voilà, tiens, le monde est quand même assez grand. Winter Aurora, ou plutôt l'aurore de l'hiver. Je sais pas si les autres niveaux s'appelaient comme ça également. Ah non, non, non. Il y a bel et bien des aurores ce coup-ci. Alors je sais pas ce qu'il est censé tirer, mais on le tue en un coup. Alors il tire souvent. J'ai pas vu ce que ça m'a fait. Je trouvais ça chelou un peu. D'accord, on peut... Ah mais ils sont sympas ces ennemis là, ça va? Ça va, regardez. Ils sont sympas. Bon, ils peuvent faire mal par contre. Donc, à faire attention. On peut rebondir sur leur tir. Rebondir sur leur tir. Et ça, c'est très bien. Je peux pas casser les murs là? Je peux mais malheureusement... D'accord, les pics. Merci les pics. Merci les pics Game Store. Ouf. Je me disais bien que ça paraissait dangereux. Un petit peu. Ouais, c'est un peu dangereux. On va pas se mentir. Le niveau en lui-même est dangereux. Mais ça va. Aïe, ça va être quoi? Sérieusement? Pourquoi un bouton bleu là-bas? Ah d'accord. Ouais d'accord, je vois le genre. Bon, faut avoir le bon saut, quoi. Bon, là, j'ai pas eu le bon saut. Je suis littéralement mort, même.
Oula, ça va être compliqué c'est un peu là. Celui-là m'a tué, malheureusement. Fait, voilà. S'agirait de pas faire le con. Il va être dur ce boss. Oh oui. Ah d'accord. On va être attentif. Hein? Voilà, merci. Ah ouais, mais le boss des enfers, quoi. Le problème, c'est qu'il saute pas assez haut en fait le chat pour le dernier. Il fallait vraiment être au pixel près pour être sur le missile. Ça, c'est juste ouf quoi. Un truc que j'aimerais voir. Si je complète les 100 pièces, ça me fait une patoune en plus en fait. Ouais, c'est ça. Donc récupérer 100 pièces me donne une patoune supplémentaire. Heureusement que les boss se donnent plein de pièces. Hein. Busy night. On va continuer vu que le stream n'est pas terminé. Ouais. Oula. Oula, c'est Space. Putain mais... Ça peut être assez chiant. Ah, dégage. Ah oui, j'avais pas vu, putain, les pics. Oula, 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 oula. Au secours. Je fais quoi, là? Sérieusement? Qu'est-ce que je fais? On sait pas pourquoi, on sait pas comment. On s'occupe pas de lui au pire. Sérieusement, en fait, ça sert à quoi? Ah, voilà, on peut esquiver en fait en se baissant. Forcément. Bordel de cul! Je sens bien le truc chiant. Et ouais, d'accord. Ok. Oh bah, va bien te faire foutre la petite gemme. J'ai bien fait, j'ai tellement bien fait. Pas grave. Pas grave, pas grave.
Mais en fait, arrivé à un certain moment de son saut, il peut plus. Il peut plus flotter dans les airs en fait. Génial. Voilà. Enfin, on peut faire ça. Effectivement. Oh, putain, j'aime pas ça. Franchement, ça se fait pas aller. Ce que vous faites, c'est mal. Serre l'arme. Ça, c'est pas bien. En vrai, j'aurais dû ressusciter. Merci. Ok. Me demandez pas pourquoi, je sais pas moi-même. Il a pas voulu sauter. Ah, le petit bâtard. Oula. D'accord. D'accord. Ah, le petit malin. Le petit malin. D'accord, il fallait que je me prenne le coup. Voilà, si tu veux. Mais ça va être infâme, ces tirs-là. Ça va être infâme. Oh, bordel de merde. C'est trop tôt pour ressusciter, je trouve. Il y a moyen de grave gagner du... de la distance avec les PV. Ça essaie de m'avoir. En vrai, il suffit juste d'être patient. Il suffit juste d'être patient, il a une petite barre de PV après tout. Ok, donc là il a vraiment décidé d'être casse-couille. On devine c'est quoi la suite, hein, bien sûr. J'ai fait le con au début. Dommage qu'il se les renvoie pas de lui-même dans sa propre face. En même temps, il a un masque, vous me direz.
Donc là, c'est la partie où il tire très vite. Bon, non, non, on ressuscite. Voilà. C'était... Il fallait s'en douter. Bon, bat les couilles, frère. Eh merde. Faut pas avoir ces pièces-là. Ok. Les boss, ils giclent trop les pièces dans tous les sens. C'est un peu ça, le problème. Ce boss-là est passé. Ah, par contre, on va peut-être pas aller à ce monde-là tout de suite. Est-ce que c'est possible, genre, de... d'aller sur les autres niveaux? Genre, je peux passer là ou pas? Non, non, je peux pas passer. Faudrait que je trouve un endroit, en fait. Je comprends pas pourquoi là j'ai pas accès alors que... Attendez un peu. Attendez un petit peu là. Ça peut pas m'être ouvert, ok. Bah pourquoi pas aller là, tiens. Ça m'ouvrira la porte tout simplement. Par contre, il me manque Vlad et des gemmes. Les chauves-souris, très bien. Bon, on les tue en deux coups, ça va. Ok. Donc, il y a le vent pour nous porter. Très bien. Qu'est-ce que... Oh putain. Oh putain. Oh je me... Oh là. Oh c'est pas une... C'est pas une belle situation. Putain je me suis fait U. Je me suis fait U. Je me suis fait U. Ça va. On a rattrapé la connerie. Mais pourquoi? Pourquoi il tire vers le haut, ce débile? Je t'ai pas demandé de tirer vers le bas. Enfin, vers le haut. Ah, y'a rien ici, c'est dommage. Voilà. C'est assez dangereux. Ouais. Non, t'approches pas. Voilà. Forcément. Neuf. Eh bah oui, c'est pas suffisant. Surtout si je consomme. Si j'en consomme. Il y avait moyen! Non, je suis désolé, mais non. Désolé, mais c'est non. Je pense que ça passe en vrai. Le vent qui est notre ami, puis qui après nous emmène vers les pics. Voilà, vous valez mieux faire ça. Allez, viens par ici. Ah, je m'en bats les souilles. Il me les souille, hein, bien sûr, oui. C'est type part. Ça, c'est pas mal.
La technique. Oh, c'est pas juste. Cette technique avait l'air de plutôt bien marcher, c'est dommage. Ah, j'en ai absolument rien à foutre. J'en ai absolument rien à branler. Bah, par contre, toutes les pièces. C'est un combat de boss assez stupide parce que toutes les pièces s'en vont. Malheureusement. Bon, au moins, on peut passer par là. J'imagine qu'il faut finir ce level pour avoir le droit de passer sur le pont. Eh bien, on va faire ça. D'accord, donc il y a des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent. Très bien. Ces ennemis-là, je sais pas à quoi ils servent. Ah, peut-être qu'on peut pas leur sauter dessus. Ça serait en effet logique. Attends, mais il est réapparu là. Oula, c'est chelou un peu. Putain, je me suis fait troll. Je me suis fait troll. Voilà, c'est en fait voilà, c'est un piège. Il faut passer par là. On les tue en deux coups, donc limite voilà. 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 Je pense que ça leur sert vraiment de protection. Il y a des pics. C'est pas là pour rien, je pense. Heureusement qu'on les tue en deux coups quand même. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Voilà, là on y arrive plutôt bien. Je m'en doutais. Pourquoi tout simplement pas faire ça en fait? Faut sauter avant en fait. Voilà. C'était un peu risqué. Voilà. Attention, il y a du vide. Elle venait un peu tardivement, les plateformes, je trouve. Oh putain, c'est le bordel, quoi. Bande de chacals, je m'en fous, je réapparais. D'accord. Ah, je vois, je vois. Je vois en quoi il va être dur. Heureusement qu'on peut passer facilement par-dessus. Et qu'on peut mourir facilement également. Forcément, les plateformes vont faire en sorte qu'ils puissent pas tomber. Bah non. Je m'en bats les couilles.
Voilà. On récupère tout. Enfin, quasiment tout. Ah, plus qu'à voir du coup si ce que je pense s'avère exact, c'est bien ça. On va se faire un petit dernier level. Le level qui est juste là, comme ça on aura complété la grotte. Ok, donc ces plateformes-là, on peut passer au travers. Contrairement à celles qui avaient des flèches vers le haut. D'accord, des boules de feu. Voilà autre chose maintenant. Ah, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Petit enfoirax. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah, et puis surtout, oui. Je sais pas comment faire. Attendez. Ah, malheureusement, non. Il a pas sauté. Il a pas sauté, ce chacal. Voilà, au moins, cette compétence m'aura servi à un moment donné. C'est chaud, mais on a réussi. Heureusement qu'on les attire, les pièces, quand même. J'aurais dû suivre les pièces dans l'ordre. C'était indiqué. Voilà, on passe par là. Hop. On bat les couilles. Ah! Oui, non, par contre... Tant pis. Tant pis, et en plus... ça, putain. Alors, faire gaffe. Oui. Je m'en doutais. Ah, je préfère continuer. C'était sûr. Allez, on dépense. Sans compter. Putain, mais sérieusement, quoi. C'est ce qui s'appelle dépenser. Là pour le moment ça va. Quelque chose me dit que ça va pas le faire dans pas trop longtemps. Forcément il le protège. Ça commence à devenir à la mode maintenant les mobs protégeant le boss. On a réussi. Bon, on aura récolté un petit peu les sous qu'on aura perdus. Plus des petits sous bonus. Ah oui, donc c'est ça les sous bonus à la fin. C'est pas mal. Et on aura débloqué une autre partie. Plus là, bien sûr.
Donc on va plutôt se laisser là. Pour plus tard. Back to title. Yes. Ce live aura été plutôt calme, plutôt chill. Il n'y aura pas eu grand monde, malheureusement. Mais bon. On n'a pas fini le jeu. On pourra toujours le finir, par exemple, demain soir. Demain soir, ça, je suis chaud pour continuer Magikat. Qui, pour le moment, même si voilà, les niveaux sont tous différents, la difficulté est présente à certains moments. Bon, peut-être pas au point de me faire souffler du nez, quand même. On verra si on arrive à aller assez loin jusqu'à la fin, mine de rien, dans Magikat. Il y a un style de gameplay, ouais. Les premiers niveaux étaient clairement plus simples, hein. C'est normal. Je retrouve sur l'accueil. Parce que là, j'étais clairement pas sur l'accueil. Et bon, bah, ça sert à rien que je vous dise merci. Même si vous êtes, vous, sur la VOD. Et que, bon, bah, les gens, je vais quand même dire merci à ceux qui sont venus. Bien sûr. Merci d'avoir vu ce stream, cette VOD. Et on se retrouve demain soir et demain après-midi vers 17 jusqu'à 18h, 19h. Pour notre live sur la Oyin la TV. Mais pour ceux qui viennent sur mes streams, rendez-vous comme à la bonne heure à 20h30. En espérant que vous avez passé un bon live. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Bonne soirée. Et beau cauchemar. Bien sûr.